On propose qu'on commence. Très bien. Ouais, très bien. C'est parti. Tout d'abord, merci pour l'invitation. Et donc, je vais essayer de faire au mieux. Je me présente très rapidement. Donc, je suis professeure à l'Université de Lyon, enfin l'Université Lyon 1 précisément, rattachée au laboratoire LIRIS. Au sein de l'université, donc je gère le master intelligence artificielle. Et au sein du laboratoire, donc je suis responsable d'une équipe qui travaille dans le domaine des systèmes multi-agents. Et le thème que l'on développe au sein de cette équipe, c'est ce que l'on appelle les systèmes informatiques socialement intelligents. Alors, on a des applications dans le domaine de l'habitat intelligent, dans la robotique, sur les autoroutes intelligentes. On s'intéresse au niveau recherche à la notion de cognition artificielle, c'est comment faire en sorte que les systèmes soient intelligents individuellement et collectivement. Et on s'intéresse en particulier à la dimension d'apprentissage, mais apprentissage développemental, dont Amine parlera encore un peu plus en détail, je pense, dans son intervention. Et puis à l'apprentissage multi-agent, comment faire en sorte qu'un collectif apprend à travailler ensemble, à développer des capacités intelligentes. Je suis aussi responsable pour l'IRIS d'un laboratoire commun qui s'appelle Behaviors AI, qui va être certainement présenté par Amélie, et que c'était un laboratoire commun entre le laboratoire et l'entreprise Umanu. Et c'est un laboratoire commun qui a été, donc c'est un projet qui a été financé par l'ANR et qui a été initié par Amélie ici présente. Elle vous racontera l'histoire. Voici donc pour la petite introduction. Donc je vais commencer par un point d'interrogation, ça se voit que je suis enseignante. Qu'est-ce que l'intelligence pour vous? Qu'est-ce que ça évoque pour vous? Je ne sais pas si... Pardon? Je passerai le diapo. Oui, d'accord. Raisonner. Oui. Aborder des systèmes complexes. Oui. Problème. L'imagination, la créativité. Ouais, tout ce qu'on ne fait pas en intelligence artificielle, quoi. Bon, si on met un nuage de mots qui parle d'intelligence artificielle, on retrouve effectivement les mots que vous avez évoqués, le raisonnement, la pensée, la perception. Bon, il est question d'intelligence artificielle, donc il y a de l'informatique, il y a de la communication, robotique, le futur, la science-fiction, tous ces aspects-là. Quand on parle d'intelligence artificielle, généralement ça vient à l'esprit. Suivant. Peut-être vous mettre un peu plus par là, parce que je pense que les gens ne vous entendent pas bien. D'accord, j'avais peur de cacher. Bon, je vais. Et là, c'est bon? Parfait. Plus en avant? Plus vers vous? Ah, plus vers vous, d'accord. Ok, bah écoutez, je vais me mettre là. Ok, bah je vais me mettre là. Ça sera. D'accord. Ok, donc je vais vous donner ma définition. Une définition de l'intelligence artificielle. De l'intelligence artificielle, c'est, pour moi, c'est doter une machine, un ordinateur, un robot, enfin quelque chose, un artefact, de capacités. J'insiste sur le dit intelligente parce que la notion d'intelligence diffère de la manière dont on la perçoit. Il y a différentes formes d'intelligence. Ces intelligences-là, généralement, on parle d'intelligence parce qu'elles sont, soit on s'inspire de l'intelligence humaine, mais pas que. On peut s'inspirer aussi de la nature. Par exemple, si vous prenez une société d'insectes, il y a une forme d'intelligence là-dedans. Voilà. C'est sûr que vous demandez à une fourmilière de résoudre une équation du second degré, elle ne saura pas faire, mais elle saura faire des choses que nous, êtres humains, on est incapables de faire. Donc il y a différentes visions, il y a aussi différents, dans le domaine de la recherche, différents courants de l'intelligence artificielle. Bon, là je vais peut-être parler de courants un peu philosophiques, c'est le courant dit cognitiviste et le courant dit constructiviste. Je vais détailler un petit peu ça. Donc, une machine intelligente, c'est une machine qui est capable, sur le modèle d'intelligence humaine, de cognition. Donc c'est un processus de décision. Et à la base, elle décide sur la base d'informations qu'elle reçoit de son environnement. Donc on va parler de capacité perceptive. Ou plus encore, on va parler de capacité sensorimotrice, c'est-à-dire qu'elle va percevoir des choses et ce qu'elle perçoit de l'environnement la poussera à agir, même au niveau moteur, même au niveau de son comportement le plus bas. Donc ce sont ces aspects-là que l'on va adresser dans le domaine de l'intelligence artificielle, vu au sens large. Alors,
si on s'intéresse aux couches hautes, on va s'intéresser à la représentation symbolique, à la connaissance, le savoir-faire, le raisonnement, la communication, tous ces aspects-là qui nous rapprochent de l'homme. Mais si on s'intéresse aux couches basses, ben on va s'intéresser à des fonctionnalités, on dit couches basses en comparaison à la notion d'état mental, mais les couches basses, ça va être tout ce qui se rapporte au comportement et au contrôle. C'est-à-dire comment je bouge, comment je perçois, qu'est-ce que je fais d'un son que j'entends, qu'est-ce que je fais de quelque chose que je reconnais, que je vois, etc. Alors, dans l'approche cognitiviste, c'est l'approche qui a largement dominé le domaine de l'intelligence artificielle. On imagine, enfin, on définit la cognition artificielle comme étant un processus de calcul de l'information que l'on reçoit du monde, que l'on transforme, pour prendre des décisions et agir dans ce monde. Et le critère que l'on va prendre en compte, ça va être la rationalité et l'optimalité. On va essayer d'être rationnel, on va essayer d'être optimal, et on se base là-dessus sur la théorie de la pensée. Dans le versant constructiviste, on va plutôt... Suivante. On va plutôt s'intéresser au couplage sensorimoteur, c'est-à-dire quand on a une perception, comment coupler ça à l'action et produire un comportement. Et à partir de là, on va remonter les couches jusqu'à créer la connaissance ou le raisonnement. Donc c'est la démarche plutôt des systèmes vivants. C'est comment c'est inspiré des modèles de la vie. Et on parle de intelligence, embodied intelligence ou intelligence incorporée, c'est-à-dire selon le corps que l'on a, on ne va pas réagir de la même façon à l'environnement. C'est un peu ça l'idée. Et ça donne les deux courants un peu du domaine de l'intelligence artificielle. Donc ce courant-là, il a été plus développé dans le domaine de la vie artificielle ou les inspirations de la biologie. Alors, je vous montre le parallèle, l'intelligence humaine d'un côté, l'intelligence du vivant au sens le plus large, les humains sont aussi des vivants, de l'autre côté. Et je vous définis aussi les mots qu'on entend souvent actuellement autour de l'IA forte, l'IA faible, l'IA générale. Donc de façon rapide, je dirais l'IA forte, c'est la machine qui développe sa propre intelligence. D'accord ? Alors, je sais pas si... L'IA faible, c'est la machine qui va exécuter un modèle d'une forme d'intelligence, inspirée d'une intelligence quelconque, intelligence de la nature, un humain, une société d'insectes, pour faire simple. Et on parle aussi beaucoup de l'IA générale. L'IA générale, c'est l'intelligence qui n'est pas spécifique à un type de comportement. Donc, ce qui existe actuellement dans les modèles d'intelligence artificielle, c'est on apprend une tâche de façon optimale. Le système apprend à faire une tâche. Par exemple, un robot apprend à se déplacer en évitant les obstacles. Il apprend à ouvrir une porte. Donc c'est ce qu'on appelle task-oriented. C'est vraiment très orienté tâche. Et l'objectif initial de l'intelligence artificielle, c'était de faire des systèmes qui soient plutôt généralistes et qui soient comme nous, qui soient un peu polyvalents, capables de raisonner, capables de se déplacer, capables de parler, capables de faire plein de choses. Bon, il y a ce courant et... réactivé à nouveau, ça a été à l'origine de l'intelligence artificielle, mais il a été un peu à l'arrêt pendant un moment, et puis ça a été repris depuis peu. Là, on va voir en image l'histoire de l'intelligence artificielle, mais là, je serai obligé de passer ici, parce que j'ai besoin de montrer des choses. Donc, l'idée de l'intelligence artificielle n'est pas nouvelle, elle remonte à... Il y en a qui la font remonter à l'Antiquité, mais elle est devenue possible au moment de la création de l'informatique. Donc la naissance de l'informatique, sachez que ça a été dans les années 40, avec la première machine qui a été opérationnelle, inventée en 41. Et il y a eu un certain nombre de travaux qui ont commencé à s'intéresser à comment fabriquer une certaine intelligence. Alors, il y a eu des travaux sur la théorie des jeux pour les modèles de décision, donc c'est principalement des modèles mathématiques. Il y a eu des travaux sur les jeux. Le domaine des jeux, ça a toujours été... Alors, vous avez entendu récemment parler du programme informatique qui a battu le meilleur joueur de Go. Mais à la base, il y a eu beaucoup d'essais autour des jeux, parce qu'on considère que quand on est capable de jouer, on est capable de raisonner, on est capable d'avoir une certaine intelligence. Il y a eu le premier réseau de neurones. Donc ça, c'est le premier modèle formel d'un réseau de neurones c'est venu de l'idée de simuler le fonctionnement du cerveau. Et donc, on a proposé un modèle mathématique. C'est le premier modèle, le perceptron, qui essaie de reproduire un peu le comportement de la cellule nerveuse, qui est le neurone. Alors, le neurone, c'est une cellule qui reçoit des informations
Et ensuite, à partir de ces informations-là, et à partir des synapses, enfin, c'est ce qui connecte le neurone à d'autres neurones. Et à partir de là, il y a, quand ça atteint un certain seuil, ça active la transmission d'informations au neurone suivant, pour faire très très schématique. Et on s'en est inspiré pour faire ça. Donc vous avez un certain nombre de données, d'informations, qui sont sur des unités. Après, elles sont agrégées. Ensuite, on a une fonction d'activation. Et selon la valeur du seuil, on transmet l'information, on ne la transmet pas. Donc ça, c'était le modèle formel du neurone de base. Il y a eu aussi, dans le modèle raisonnement mathématique, un système de preuves pour faire de la preuve mathématique par ordinateur et qui avait eu beaucoup de succès. Donc tout ça, ça a commencé avant la naissance officielle du domaine. La naissance officielle du domaine date de 1956, lors d'une conférence qui s'appelle la conférence de Dartmouth. Cliquez pour passer à la suite. Bon, il y a beaucoup de choses, je ne vais pas tout détailler. Et vous voyez que depuis, il y a eu des évolutions, notamment dans la suite du raisonnement logique, il y a eu un système qui s'appelle analogie. C'est les exercices qu'on fait assez bien pour voir calculer notre degré de QI, voilà. Et ce système informatique était capable de résoudre le problème. Il y a eu un système de compréhension de langue naturelle. Donc, ce sont un peu les domaines qui ont été développés. Et il y a eu particulièrement l'ère de ce qu'on appelle les systèmes experts. Alors, qu'est-ce que les systèmes experts? Si vous voulez bien cliquer là-dessus. Alors, les systèmes experts, c'était basé sur la notion du raisonnement. Et en fait, l'idée venait l'idée principale, c'est de récupérer toute l'expertise dans un domaine donné. Ce sont des systèmes qui font généralement du diagnostic. Toute l'expertise d'un expert, on va la coder sous forme de ce qu'on appelle une base de connaissances. Et la base de connaissances, elle est codée simplement sous forme de règles de ce type-là. S'il y a telle et telle et telle condition, on fait telle et telle conséquence. Enfin, c'est du raisonnement, c'est de l'inférence. Donc, une base de connaissances, un moteur de raisonnement qui fait l'inférence et une interaction avec un utilisateur. Et ça, ça a été un grand succès de l'intelligence artificielle et ça a permis de résoudre un certain nombre de problèmes dans le domaine du diagnostic médical ou autre. Je ne détaille pas. Actuellement, on va parler de Watson. Je vous en parlerai un peu plus tard. La dernière ère, qui est depuis l'année 2000, bon, je ne vais pas revenir, donc il y a eu beaucoup de découvertes. Vous avez tous entendu parler de la Google Car, les véhicules autonomes. Le deep learning, ça vous dit quelque chose? Oui, tout le monde parle du deep learning. Vous savez ce que c'est? En quoi ça consiste? Ou l'apprentissage profond? Si vous voulez bien cliquer là-dessus, s'il vous plaît. Et après, j'en ai fini avec les petits zooms, juste pour définir. Alors, le deep learning, le principe du deep learning, c'est un peu le principe du réseau neuronal que je vous avais décrit tout à l'heure, hein, enfin, d'un neurone. Mais en fait, c'est des neurones qui sont au réseau et qui sont organisés en couches. Et on parle de deep learning parce que vous avez plusieurs couches, en fait. D'accord? Et la spécificité du deep learning, c'est que chaque couche, en fait, elle va se spécialiser sur un aspect. Et généralement, on va du détail vers le conceptuel. On monte en abstraction à chaque fois. Par exemple, dans le domaine de la reconnaissance d'image, on va essayer de reconnaître les pixels, on passe à la forme, on passe à un aspect, ici le nez, le visage et l'individu. On construit comme ça différents concepts. Et le deep learning, pourquoi est-ce qu'il a beaucoup de succès? Mais en fait, c'est parce que ça permet de... Comment dire, ça permet de retrouver. Enfin, ce qu'il faut savoir, c'est que ça, c'est le modèle, mais le deep learning, le réseau de neurones, en fait, il apprend. Alors, je vous explique comment il apprend. On lui fait passer en entrée un certain nombre, par exemple, ici, ce sont des images, on va lui passer un certain nombre d'images. Généralement, c'est des millions d'images. Et il va, on l'entraîne pour reconnaître, pour lui dire ben, ça c'est un chat, ça c'est une voiture, ça c'est une maison, ça c'est... Et l'entraînement se fait comment? En fait, à chaque fois que l'on... comment dire? Entre les couches, les réseaux neurones sont liés entre eux par des pondérations, qui sont des paramètres, qui vont en fait capturer l'information qui correspond à la donnée que l'on va apprendre. Enfin, je ne sais pas si je suis claire, mais... Voilà. Donc on va lui donner
un certain nombre de données en entrée. On lui présente des données en sortie, on va l'entraîner, en lui disant, et pendant cette phase d'apprentissage, il va ajuster les poids, et ces poids-là vont être l'information qui va permettre la reconnaissance de l'objet au final. Alors une fois qu'il a été entraîné, quand on lui présente une nouvelle donnée, on va parler de généralisation, par exemple il s'est entraîné sur des chats, et ben on va lui présenter une nouvelle forme de chat, il va être capable de vous dire ça c'est un chat, même s'il n'est pas exactement comme les chats qu'il a pu observer au préalable. Voilà, donc je ne détaille pas tout ça, ben vous l'aurez, mais c'est un peu les grandes étapes. Je vais juste décrire IBM Watson, dont tout le monde parle en ce moment. IBM Watson, enfin moi j'aime bien dire que c'est un peu le futur des systèmes experts. IBM Watson, c'est quoi ? C'est en fait c'est un système qui combine l'apprentissage et l'apprentissage à partir du web. Donc c'est de l'apprentissage en continu à partir du web ou de toutes les ressources du web en quelque sorte. Ça peut être dans un domaine particulier, mais ça peut être général. Et à partir d'algorithmes d'apprentissage, il va fabriquer des règles. Et ces règles-là, ensuite, il va les utiliser dans un mécanisme de raisonnement pour aider à la décision dans un domaine ou dans un autre. Je ne sais pas si je suis claire. Voilà. On passe à la suite. Je vais passer rapidement là-dessus. Ça, c'est un schéma qui montre un peu l'évolution de l'intelligence artificielle. Donc, il y a eu des hauts et des bas. Donc, il y a eu par exemple un grand boom avec les systèmes experts. Ensuite, ça a atteint un niveau de saturation. Et avec l'évolution des machines, on a redémarré à nouveau avec le deep learning, la puissance des machines. L'accès à l'internet, l'accès aux données sur internet, mais ce qui a fait le redémarrage, c'est surtout le fait de pouvoir disposer de machines de calcul extrêmement puissantes et puis bon, enfin, de l'ingénierie très évoluée, enfin l'évolution de toute l'informatique qui a permis de redémarrer actuellement ce domaine d'intelligence artificielle. Alors, j'ai essayé de ramener ça un peu au thème de la conférence qui était quelle relation à l'humain, l'intelligence artificielle, quelle relation à l'humain. Alors dans l'intelligence artificielle, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre machine learning, deep learning, donc l'apprentissage et en particulier l'apprentissage profond parce que ça a été une vraie révolution. L'internet, la puissance de calcul. À partir de là, on a été capable d'avoir des grandes réalisations dans le domaine de la reconnaissance, tout ce qui est reconnaissance, reconnaissance des caractères, reconnaissance de la voix, reconnaissance des images, ou ce qu'on appelle les modèles génératifs, générer des modèles à partir des modèles d'apprentissage. Ce qu'on appelle aussi les modèles prédictifs, qui sont des modèles d'apprentissage statistique. Le domaine de l'analyse de données, vous avez tous entendu parler des big data. C'est comment extraire de la connaissance à partir de cette masse très importante de données. Les systèmes de recommandation. Donc tout ça mis ensemble a permis de grandes évolutions actuellement dans le domaine de l'informatique en général. Donc il y a des domaines génériques où ça a eu de très grands succès. Donc par exemple dans le domaine de la vision, si vous cliquez sur vision s'il vous plaît. Dans le domaine de la vision, on arrive actuellement à faire des systèmes qui sont capables de reconnaître un objet dans une image de façon bien plus performante qu'un humain, par exemple. Par contre, on a des progrès dans la réponse à des questions visuelles. C'est autour des 65%, ça reste encore en dessous de la performance humaine. Dans le domaine de la reconnaissance du langage, alors langage, c'est langage parlé, hein, vous avez tous utilisé Siri ou autre, on arrive à des performances assez intéressantes dans l'analyse syntaxique de texte, dans la traduction, dans la réponse aux questions. Donc vous voyez un peu la performance de la machine, la performance de l'homme, ça reste un petit peu au-dessous. Mais vous voyez que par exemple que dans la reconnaissance de la voix, la machine égale les performances des humains. Ça arrive à égaler tout ça. En fait, ce qui est derrière, c'est surtout le deep learning qui fait ce genre de succès, l'apprentissage profond.
Alors, vous avez d'autres domaines qui ont été touchés, la robotique, Amélie vous en parlera un petit peu, mais pas que la robotique sociale, le domaine de la vente, le domaine de la ressource humaine, le domaine de la cybersécurité. Alors, dans tous ces domaines-là, qu'est-ce qu'on fait? On a une masse gigantesque de données, on apprend à partir de ces données-là, on en sort des modèles, et du coup, on est capable de faire de la prédiction, pour faire simple. Donc ça, ceux-là, ce sont les domaines génériques. Sur les domaines métiers qui vont être impactés par l'intelligence artificielle, forcément avec ces évolutions dans le domaine de l'IA, vous avez le transport avec l'autonomie, donc le véhicule autonome. Donc ça va changer complètement le monde du transport, notamment le transport public, le transport de marchandises, etc. Le domaine de la santé. Alors dans le domaine de la santé, il y a déjà des logiciels qui font beaucoup, justement, grâce à la reconnaissance de l'image, qui sont capables de faire des diagnostics extrêmement précis. Dans le domaine de l'industrie, je ne vous parle pas des usines, vous imaginez tout ce qu'on peut faire en robotique avec les usines. Dans le domaine de la finance, finance les banques, les assurances, en croisant les données, en utilisant un algorithme d'apprentissage, en exploitant toute la ressource qu'il y a sur le web, on arrive à optimiser, par exemple, les plans. Par exemple, vous vous présentez à une banque pour un prêt, et en croisant toutes les données, on arrive à vous faire une solution optimale. Un système informatique peut arriver à vous faire une solution optimale. Et puis j'en passe, il y a différents domaines, on peut en parler. Suivant. Alors, tout ça, ça fait des choses, ça change ces métiers-là. On pourra peut-être en discuter après sur le rôle de l'homme là-dedans. Mais il y a quand même un certain nombre de défauts. Alors, les défauts auxquels on est confronté, c'est le biais qui est introduit dans les données. Comme l'apprentissage à base beaucoup de deep learning, il s'appuie sur des données qui existent et il reproduit en fait les biais qu'il y a dans les données. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler de cet agent conversationnel ou assistant qui a... Enfin, il y a eu deux exemples. Il y a un exemple, par exemple, dans le recrutement. On a fait un assistant de recrutement autonome qui a été raciste dans le recrutement, qui reproduit dans les images de reconnaissance de Google, qui n'était pas capable de reconnaître les personnes de couleur noire et qui confondait les personnes de couleur noire avec des gorilles, par exemple, des choses de ce type-là. Et en fait, qu'est-ce qui manque là-dedans? Les biais qu'il y a dans les données, on va les retrouver dans les modèles parce que donc il faudrait arriver à diversifier ces données. Ce qui manque, c'est cette notion de bon sens. L'intelligence, c'est aussi du bon sens. Et dans les modèles actuellement, les modèles informatiques, la notion de bon sens, c'est une question ouverte. Elle n'existe pas encore. Autre aspect, c'est l'apprentissage en continu. Je vous ai parlé de Watson tout à l'heure. Donc, l'idée, c'est de faire des systèmes qui apprennent en permanence, qui apprennent en continu sur toute la ressource qui est disponible sur le web, en croisant les différentes données. On apprend des choses, certes, mais on fait un apprentissage, selon moi, en tout cas, un apprentissage désincarné. C'est-à-dire la mise en situation, l'expérience, on est incapable de reproduire ça. Un autre problème, c'est le transfert d'apprentissage. C'est-à-dire on a appris sur une chose, nous, êtres humains, généralement, on arrive à adapter notre apprentissage à des situations. Les machines actuelles, elles ont du mal quand elles changent de domaine. Donc généralisation, adaptation. Enfin, un point important, c'est la notion de boîte noire. Donc je vous ai présenté le deep learning qui fait une révolution actuellement, c'est une boîte noire. C'est-à-dire vous savez que ça marche, mais vous ne savez pas pourquoi ça marche. Donc ça, c'est quelque chose, enfin on peut se douter que c'est quelque chose qui peut être inquiétant parce que si on ne comprend pas comment ça marche, on ne sait pas contrôler. Est-ce qu'on accepte? Donc il n'y a pas de pouvoir explicatif dans ce type de système-là. Contrairement à ce qu'on appelait dans le temps, ou même actuellement, l'intelligence symbolique, c'est-à-dire qui est basée sur le raisonnement, où on est capable de raisonner et de revenir un peu sur ce qui vous a mené là. Alors, si je devais synthétiser le domaine de l'intelligence artificielle, enfin en termes de prospective, le domaine d'intelligence artificielle, c'est un système informatique dans lequel on a des données qu'on transforme en connaissances. On a besoin de contrôle. Hein. Le contrôle, il faut qu'il soit autonome. On pousse à automatiser le contrôle. Ce sont des systèmes qui sont connectés
Donc on est dans un monde connecté, hein, les systèmes sont ouverts, c'est plus un programme avec des inputs et des outputs, enfin des entrées-sorties. Les entités sont interconnectées entre elles et surtout en interaction aussi avec des humains. Tout ceci dans un domaine de massification de données, de dynamique, de complexité. Alors, oui, un système intelligent au sens où on l'entend, ou de l'intelligence forte, ça serait un système qui serait, selon moi, capable de sens, de pro-attitude et de partage. Partage au sens, il y a une dimension sociale, c'est-à-dire que, qu'on puisse partager une culture, partager une histoire, partager ce, comme, comme nous. Alors, suivant, ça c'est résumé par des questions qui ont été émises par Jean-Christophe Bailly, que je trouve très représentatif du Noël, les quatre questions fondamentales de l'IA. La première question, c'est comment structurer les informations. Quand on veut faire un système intelligent, c'est comment structurer l'information qui vous vient du monde. Donc comment catégoriser l'information, comment l'abstraire pour en faire quelque chose, que ce soit nous, pour nous, humains, ou pour la machine. Alors le deep learning réussit, l'apprentissage actuel ou deep learning, il réussit assez bien à faire ce, ce travail-là, la catégorisation, l'abstraction, un certain niveau d'abstraction. Il n'est pas transparent, mais il le fait. Nous, êtres humains, face à la machine, avec la, la somme d'informations que l'on a, bon, quand on est dans un environnement que l'on maîtrise, on arrive à le faire. Mais si vous mettez par exemple dans un domaine avec toute l'information qu'il y a sur le web, ce travail-là, on est incapable de le faire. Donc déjà, je peux faire un parallèle avec l'apport de l'IA dans ce domaine-là. C'est-à-dire que ça peut nous aider à structurer, à conceptualiser dans un domaine riche en informations. Le deuxième point qui est important, c'est ok, on a réussi à abstraire, à conceptualiser, mais ce qu'on a conceptualisé, est-ce que ça, ça crée du sens? Est-ce qu'on est capable de créer du sens? Et c'est ça, l'intelligence, c'est la capacité de créer du sens. Alors, cliquez sur problème, ça oui. Alors, la notion du sens, elle est schématisée par ce qu'on appelle la chambre chinoise de Searle. Je vous donne l'exemple, c'est une personne qui est dans une pièce, qui ne parle pas le chinois, qui a un gros livre qui lui explique, qui lui donne pour chaque phrase prononcée en chinois, la réponse qu'il faut donner en face. Donc, c'est un gros livre, c'est en sa portée. Et il y a une personne de l'extérieur qui va lui poser des questions en chinois, et elle, elle va chercher dans son livre et répondre. Du point de vue de la personne, elle va dire ben, c'est une personne qui parle chinois. Et pourtant, la personne ne parle pas du tout chinois. C'est l'état actuel des systèmes d'intelligence artificielle, en fait. Donc, on répond à des questions, mais on ne sait pas. Il n'y a pas de notion d'ancrage symbolique. Alors, ça nous amène à quelque chose qui est connu aussi dans le domaine de l'IA, qui est le paradoxe de Moravec, qui dit simplement, pourquoi est-ce que l'intelligence artificielle s'est développée complètement dans cette direction-là, enfin de faire une IA désincarnée. Elle est utile, hein, certes, mais on est loin de l'intelligence promise hein, par les premiers chercheurs en IA. C'est à cause de ce paradoxe. Moravec, il a mis en évidence que c'est beaucoup plus facile de modéliser des choses de haut niveau, c'est-à-dire les concepts de haut niveau, et de raisonner sur ces concepts à partir du moment où on a supposé qu'ils existent. C'est ce qu'on fait hein, quand on fait du raisonnement, on définit une règle, après on déroule, on code la règle en dur, que de créer la règle. En fait, que de partir des couches basses, de la perception, de l'information brute, et de créer la règle. Donc c'est un peu le gap qu'il y a entre l'intelligence artificielle telle qu'elle a évolué jusque-là, et telle qu'elle devrait évoluer si on a envie de faire un jour des systèmes intelligents au sens profond du terme. Alors, vous savez plus sur quoi cliquer. Donc c'est cette notion-là. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, enfin, c'est un point important, enfin, la notion de sens. Le deuxième point, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est la notion de socialisation. Alors, une fois qu'on a créé du sens pour soi, comment synchroniser ce sens avec les autres? Et d'ailleurs, nous, êtres humains, quand on crée du sens, on le crée en interaction avec les autres. Donc c'est valable entre êtres humains, c'est valable entre machines et humains. Comment faire en sorte que les machines créent un sens commun? Et bah, si on ne crée pas ce sens commun, bah, on est amené à être isolé et puis être pas intelligible. C'est le cas de l'intelligence artificielle du moment. En cliquant sur socialisation, voilà. Donc ça c'est un exemple, c'est un article, c'est une présentation récente que j'ai trouvée très très intéressante parce que ça met l'accent sur la notion de l'intelligence sociale et l'intelligence émotionnelle. On se rend compte que nous, êtres humains, en fait,
quand on dit qu'on est intelligent, on n'a pas que cette intelligence théorique, on a aussi cette intelligence sociale et humaine. Là, il a représenté les différentes capacités des humains telles qu'elles sont aussi de l'autre côté reproduites dans les machines. Et il a classé ça en quartiles. Et ce qui est noté en fait en vert, c'est quelque chose que l'on sait faire, qui est bien. Ce qui est en rouge, c'est quelque chose qu'on ne sait pas du tout faire, pour faire simple. Et ce qui est en jaune, c'est qu'on a des capacités plus ou moins médianes là-dessus. Alors vous voyez que par exemple, dans le domaine de la créativité, c'est complètement rouge, hein, ce qu'on disait tout à l'heure. La compréhension du langage naturel, c'est complètement rouge. Alors c'est où? C'est là. Et j'en passe. Mais si vous prenez le bloc de intelligence sociale et émotionnelle, c'est complètement en rouge. Et dans cet article-là, ils sont allés même plus loin pour faire des prévisions sur quand est-ce qu'on arrivera à faire ce type de système. Alors, là, on ne voit pas, j'avais la vidéo, mais je ne vais pas la faire passer. C'est de 2020 à 2080. Donc là, ils représentent un peu où est-ce qu'on pourrait, au moins. Voilà. Bon, on fait toujours, de toute façon, en IA, on fait toujours des prévisions. Et donc ça montre que la peur de l'IA telle qu'on l'a, vous la définit aujourd'hui, suivant, elle n'est pas complètement justifiée. Enfin, le dernier point, c'est après cette notion de socialisation, c'est comment faire en sorte que, de façon autonome, un agent ou une machine intelligente, dite intelligence, puisse avoir de la pro-attitude, qu'elle agisse de façon autonome, qu'elle agisse de, en fait, le libre arbitre, en quelque sorte. Enfin. Et là, il y a un travail assez intéressant, très intéressant même, qui est fait par un chercheur français sur la notion de motivation intrinsèque et la robotique développementale. Amélie vous en parlera un peu plus tout à l'heure. Donc, ce chercheur s'appelle Pierre-Yves Audoyer, qui travaille justement sur le développement de robots, parce que c'est un domaine qui s'appelle la robotique développementale, qui apprennent comme les bébés en fait, qui vont apprendre, qui vont développer des capacités d'apprentissage en s'inspirant de la théorie de Piaget du développement de l'enfant et qui vont apprendre à découvrir leur monde comme des robots. Bon, si on avait la vidéo, c'est en fait ils font de l'essai-erreur dans l'espace, hein, ils apprennent par curiosité et ils apprennent par essai-erreur dans l'environnement et ils construisent de la connaissance de leur monde, ils modélisent le monde de cette façon-là. Et à partir du moment où ils ont été capables de modéliser le monde, ils sont capables de le contrôler, d'agir dessus. C'est un peu ça l'idée globale. On peut en parler. Je suis obligée de revenir. Voilà. Et puis, je finis là-dessus. En fait, l'intelligence, en fait, c'est une vision holistique. Enfin, j'aime à dire que si on veut faire un système intelligent, il y a besoin de faire... l'intelligence cognitive, c'est un aspect. Il y a de l'intelligence émotionnelle, l'intelligence sociale, l'intelligence collective. Les animaux ont beaucoup à nous apprendre aussi, au niveau de... Donc il y a des travaux. Dommage que je ne peux pas faire tourner les vidéos, parce que vous voyez là, par exemple, une chercheuse à Harvard qui fait ce travail-là. Et... Donc, les perspectives, selon moi, c'est... Au niveau de l'IA en tant que domaine, c'est l'intégration des outils et solutions de l'IA. On passe de l'intégration des outils à l'intégration de modèles. Donc actuellement, il y a beaucoup de choses qu'on appelle sur les étagères. Si on veut faire une solution, on peut construire de l'IA en faisant ça du point de vue juste informatique. Mais du point de vue un peu plus fondamental, j'aime à dire qu'on a intérêt à aller vers... Enfin, je suis de ceux qui croient qu'il faut aller vers une co-construction du sens. La co-construction du sens entre l'humain et la machine. Entre les machines, entre elles, travailler sur ces aspects-là, la dimension de socialisation. L'humain et l'humain en utilisant l'IA, comment on peut construire du sens en utilisant l'IA comme outil. Explorer d'autres apprentissages, hein, l'apprentissage développemental est un exemple. Et enfin, éduquer et former l'humain et l'IA. C'est-à-dire il faut former à l'IA, mais aussi apprendre à éduquer l'IA, c'est-à-dire comment... si on se base sur un apprentissage de ce type-là, l'apprentissage développemental, on peut enseigner à un système d'IA des choses, par exemple, notamment, on peut en discuter dans le domaine de l'éthique et les normes sociales et ce qui s'ensuit. Et je m'arrête là, j'espère que je n'ai pas dépassé mon temps. Si. Merci.
Merci. Je propose qu'on réserve les questions à la fin. Bonjour tout le monde, merci Salima de m'avoir facilité tout le travail de présentation de ce que c'est que l'intelligence artificielle. Comme ça, on gagne 20 minutes. Donc je m'appelle Amélie Cordier, je vais me présenter un peu plus en détail. Donc le titre de la présentation c'est Humain et intelligence artificielle. Je crois qu'après il y avait quelle relation au travail, mais il n'y avait pas la place sur le slide. Alors, voilà. Donc je travaille chez Humano. Humano c'est une société qui fait du logiciel pour les robots sociaux d'interaction. Et je suis directrice scientifique, c'est-à-dire que je m'occupe de tout l'axe recherche et développement de la société. C'est une start-up encore. On a 3 ans, on est 25 employés. Donc c'est une belle start-up. Je vais vous en dire un peu plus dans quelques minutes. Mais avant ça, je vais faire une parenthèse que je suis aussi fondatrice et présidente d'une association qui vient de se créer, qui s'appelle Lyon IZEAI, et qui a pour objectif de promouvoir et de fédérer l'écosystème autour de l'intelligence artificielle à Lyon. Donc si le sujet de l'intelligence artificielle vous intéresse, je serais ravie d'en discuter avec vous après. Pourquoi on a créé Lyon IZEAI ? C'est parce qu'on pense que... Alors on est plein, hein, je ne suis pas la seule. C'est parce qu'on pense que l'intelligence artificielle, c'est un sujet très chaud actuellement pour les entreprises, mais aussi pour la société. Et on a une véritable volonté et ambition de faciliter l'accès à la connaissance sur l'IA au grand public, au travers d'événements, de conférences comme celle-ci, par exemple, un peu de vulgarisation, d'ateliers pour les enfants, de hackathons pour mettre les mains dans le cambouis et comprendre ce que c'est vraiment que l'intelligence artificielle. Bref, on a des belles ambitions. On l'a fait parce qu'on est plein de spécialistes professionnels de l'intelligence artificielle qui pensons qu'on a une responsabilité envers la société. Et donc on est ravis de pouvoir donner un peu de notre temps pour assumer nos responsabilités. Et tout ça, je vais essayer de vous en parler un peu plus loin. Alors, retour à la présentation. Donc, Salima vous a fait un panorama général de ce que c'est que l'intelligence artificielle. C'est rare que j'aime les panoramas qu'on fait. Parce qu'en ce moment, sur les confs d'IA, on parle que d'un ou deux sujets en disant l'intelligence artificielle, c'est ça. Puis en fait, on oublie tout le reste. Et Salima n'est pas tombée dans le panneau. Donc, encore une fois, merci. Et puis, je vais vous, dans le reste de la présentation, je vais mettre un focus sur ce que je connais, moi, à savoir les robots sociaux d'interaction, et je vais vous montrer comment tous les pans de l'intelligence artificielle sont nécessaires pour créer des robots sociaux d'interaction. Voilà. Alors souvent quand on parle d'intelligence artificielle, en tout cas 2017-2018, ce à quoi on pense c'est ça. Ça c'est une image générée artificiellement par du deep learning, donc réseau de neurones profonds, ça vous avez compris. La plupart des gens, quand ils disent IA, en fait, ce dont ils parlent, j'allais dire ce qu'ils pensent, mais en fait ils ne comprennent pas ce qu'ils disent pour la plupart, ce dont ils parlent c'est du deep learning. Pourquoi ? Parce que en 2017-2018, enfin c'est depuis le 2012, hein, ImageNet, je ne vous refais pas l'histoire, le deep learning c'est le sujet chaud, ça marche, on a les données pour en faire, on a la puissance de calcul pour qu'on obtienne des résultats satisfaisants dans des temps raisonnables, et puis ça donne des résultats qui ont des applications business fort intéressantes pour les entreprises, et donc on ne parle que de ça. Malheureusement, c'est la partie émergée de l'iceberg, et moi ce qui m'intéresse en IA, évidemment, c'est tout ce qui est en dessous, à la fois parce que c'est les fondations qui ont rendu ça possible, et puis c'est parce que c'est l'avenir. Parce que croyez-moi, les spécialistes du domaine savent très bien vous dire que le deep learning, c'est une bulle comme une autre, qu'elle va exploser dans pas longtemps, et que pour l'instant, on connaît les limites théoriques, et qu'il serait bien temps d'écouter les chercheurs qui bossent dans leur laboratoire de recherche pour savoir comment on va dépasser ces limites théoriques. Voilà, j'aime bien mettre un petit coup de kick au bullshit sur l'IA quand je commence mes confs, puis après je me sens beaucoup plus libre pour parler du reste. Et je vais commencer par une petite vidéo issue de la science-fiction. Alors j'ai bien aimé dans la vidéo d'intro des étudiants, là. Est-ce que les étudiants qui ont fait cette vidéo sont là ? Ah, ça c'est dommage parce que j'aurais pu leur lancer des tomates pour les bêtises qu'ils ont dites, mais il n'y en avait pas beaucoup. Il y avait beaucoup de choses très bien, et notamment il y avait une phrase super sur les fantasmes. Okay, notre vision de l'intelligence artificielle et le fait que c'est un vrai problème en ce moment, elle est complètement biaisée par les fantasmes issus de la littérature, de la science-fiction et des films. Et ça pose beaucoup de problèmes parce qu'en fait, ça nous amène à avoir des peurs sur des sujets liés à l'intelligence artificielle qui sont complètement irrationnels.
Terminator n'arrivera pas demain matin devant votre porte d'appartement. Et à l'inverse, ça nous met des œillères sur des sujets qui sont des vraies problématiques de société et auxquelles on ne pense pas du tout parce qu'il n'y a pas eu de film dessus, quoi. Typiquement, on fait fondre de la banquise en faisant du deep learning, on exploite des données personnelles sans trop savoir ce qu'on fait, ni pourquoi, ni comment, et j'en passe et des meilleurs. J'ai choisi de commencer par ce petit extrait. C'était mieux quand il n'y avait pas de lumière, je trouve. Enfin, ça va être un peu dark sinon. Alors pourquoi je l'ai choisi ? Est-ce que vous connaissez le film Robot et Franck ? Non ? Bon, ben, comme ça, vous allez découvrir. Je vous explique après pourquoi je l'ai choisi. Il n'est pas très long, il fait une minute et quelques, je crois. C'est parti. That cereal is full of unhealthy ingredients. I threw it away. Don't throw away my stuff. Frank, that cereal is for children. Enjoy this grapefruit. You're for children, stupid. Today we're going to start a garden. Fuck this shit. Frank, you need a project. Mental stimulation plus a regimented schedule will vastly improve your cognitive functioning. Besides, it's good exercise. Frank, we're going to have to work together. You are a robot butler. I'm not a butler, Frank. I'm a healthcare aide, programmed to monitor and improve your physical and mental health. Yeah, get out of my house. If you're not going to cooperate with me, I might as well not be here. Why would we? If that's the way you feel, I'll contact Hunter. C'est son fils. What are you doing? You have a phone up there in that brain? We're calling him? Look, you heard what he said. He was trying to put me into a nut house. I don't recall Hunter saying that. There's nothing wrong with my memory. I'm fine, I'm telling you. I'm fine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. My memory is fine. What am I doing? Talking to an appliance. I suggest you work with me. I'm not gardening. Can't you do that super fast? Some things take time, Frank. Voilà. Alors j'adore cet extrait de ce film donc, qui s'appelle Robot and Frank, que vous pouvez regarder. Je ne vous spoil pas le film, mais l'histoire est intéressante. Pardon ? Le robot et Frank. Et en fait, bon, pour vous raconter le contexte, c'est un monsieur d'un certain âge, son fils pense qu'il commence à être un peu sénile et il lui met un robot à la maison pour le surveiller et lui, forcément, il ne le prend pas très bien. Ce que j'aime dans cet extrait, c'est le bon équilibre à tous les niveaux. Il y a un bon équilibre sur ce que l'on veut des robots et de l'intelligence artificielle pour notre avenir. C'est un robot d'assistance qui en même temps garde sa place de robot. On n'est pas dans le robot humanoïde parfaitement incarné avec une vraie peau, des vrais cheveux, qui va vous parler comme je vous parle actuellement avec un bon rythme. Il a une voix de robot, on sait que c'est un robot, on sait ce qu'il fait. Salima a mentionné la notion d'intelligence émotionnelle. On voit bien que le rôle de l'intelligence émotionnelle est vraiment présent ici, dans la façon dont le robot interagit avec l'humain, mais dans la façon dont l'humain interagit avec le robot. Et vous avez vu cette scène où le robot s'immobilise et où Franck passe en panique parce qu'il pense qu'il est en train de passer un coup de téléphone à l'intérieur. On voit bien que si on ne sait pas expliquer ce qui se passe à l'intérieur de la tête du robot, on génère de l'angoisse chez l'utilisateur. C'est aussi un bon équilibre en termes de faisabilité. Ce robot, il n'est pas parfaitement articulé, il n'a pas 5 doigts comme on a nous. Techniquement, si on avait 200 000 euros à mettre dans un robot comme ça, on pourrait probablement le fabriquer et sur des use cases bien spécifiques, le rendre disponible dans quelques mois, voire quelques années. Donc c'est un futur imaginable, bien plus imaginable que le petit robot dans iRobot, par exemple, qui lui est de l'ordre de la science-fiction. Et on voit bien aussi qu'il y a des concepts poétiques que l'on peut transmettre via des scénarios et en même temps que le raisonnement à haut niveau, il n'est pas encore tout à fait accessible par le robot. Les hypothèses sur les céréales, vous imaginez bien que c'est des règles dans une base de règles qui s'appliquent. J'aime bien commencer par ce film qui pose assez bien, je trouve, le sujet de l'intelligence artificielle embarquée dans un robot et ce qu'on pourrait espérer pour notre futur. Je ne sais pas si j'aimerais vivre avec un robot comme ça à la maison, mais en tout cas, ça me ferait moins peur que de vivre avec Terminator.
Voilà, quoique mes tendances, science-fiction, tout ça, je sais pas. Bref, alors le truc c'est qu'aujourd'hui on n'est pas là, loin de là. Et je suis bien placée pour vous en parler parce que c'est mon quotidien et chez Humano on prend des robots, on les met dans la vraie vie et vous allez voir que les robots qu'on met dans la vraie vie, ils ressemblent pas du tout aux robots que vous avez vus dans l'extrait de film. Alors très rapidement, parce que j'aime pas parler, je préfère répondre à vos questions, je vous présente l'entreprise et puis ce qu'on fait, et puis après je vous montrerai quelques use cases et je vous parlerai de la recherche. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, Humano c'est une société qui a été fondée il y a 3 ans, on est maintenant 25, on est basé à Lyon et au Japon, et pourquoi c'est important de le dire ? Bah, tout simplement parce que les Japonais sont pas du tout au même état d'avancement que nous en matière d'acceptation de la robotique sociale dans leur vie de tous les jours. Pour eux, c'est pas une envie, c'est un besoin. Et on tire énormément d'enseignements de notre interaction avec les Japonais. C'est juste pour ça que je voulais le souligner. Et alors, on travaille dans un modèle B2B, pardon, c'est-à-dire que nos clients, c'est des entreprises, on met pas de robots chez les gens. On aimerait bien, mais on n'y est pas. Donc nos activités principales, c'est la grande distribution, la gestion des visiteurs dans les bâtiments de bureaux, donc tout ce qui est nouveau confort au travail et compagnie, la recommandation de produits. Notre tout premier robot, c'était un robot Nao qui, chez Darty, vous accueillait puis vous disait « C'est quoi votre couleur préférée ?»« Bleu. Oh, regarde, j'ai allumé la lampe en bleu. » Voilà. Deux mois de développement. Ok, mais c'était il y a 3 ans, il fallait le faire, ça n'existait pas. On a une activité de service aux personnes âgées, alors on n'est pas, on parle pas de soins, hein. On parle de divertissement, d'information, de jeux pour les occuper. On ne fait pas du tout dans le robot médical. Et puis bon, divertissement au sens plus large, pas que pour les personnes âgées. Parce que justement, le public cible avec les robots, c'est tout le monde. Les enfants, les adultes, les travailleurs, les gens qui cherchent du loisir et les personnes âgées. On a tous un rapport différent aux robots, un rapport émotionnel différent, un rapport utilitaire différent. Mais potentiellement, tout le monde peut interagir avec un robot. Donc on travaille avec tous ces gens et on a plein de clients, mais en fait on s'en fiche, c'est pas pour ça que je suis ici. Et on a aussi plein de robots. Alors en fait, pour être très honnête, on travaille essentiellement avec Pepper. Vous le connaissez peut-être pour l'avoir vu sur des salons ou dans des publicités. Pourquoi on travaille avec lui ? Parce qu'actuellement, c'est la plateforme robotique la plus stable et la plus fiable. Donc, question d'image de marque vis-à-vis de nos clients, bah, en fait, c'est le robot qu'ils veulent acheter. Nao, c'est bien pour faire de la recherche, de l'enseignement, mais c'est fragile. Donc, dans des use case business, c'est même pas la peine d'imaginer. Par contre, on s'intéresse à toute la gamme de robots qui est en train d'arriver sur le marché. Easy, qui est un robot fabriqué par Ease Robotics, une société lyonnaise qui est super sympa, le robot et la société aussi. Sunbot, qui est un robot chinois qu'on a essayé de faire pénétrer sur le marché européen sans succès. Cosmo, un petit robot ludique. Jibo, enfin bon, on essaye les différentes plateformes robotiques parce qu'en fait, on a beau être spécialiste du domaine, on n'a aucune idée des robots qui vont être acceptés sur le marché demain. Donc on essaye les plateformes, on regarde leurs avantages, leurs inconvénients. Il y en a qui sont plus adaptés à certains cas d'utilisation, d'autres pour d'autres. Bref, on essaye. Mais bon, ce qu'on vend, c'est Pepper, actuellement. Et on espère que ça va évoluer. Je pourrais vous montrer des vidéos, je ne vais pas vous les montrer là, parce que je ne voudrais pas perdre de temps et vous laisser du temps pour les questions, mais si vous voulez, on pourra revenir sur la différence entre les applications qu'on faisait il y a 3 ans, un AO assis sur une table qui est juste capable de changer la couleur d'une lampe connectée. Pour ceux qui ont assisté à la conf IoT, bah, merci IoT, c'est grâce à vous qu'on fait ça. Et maintenant, on développe des applications qui ont des services plus riches, qui sont capables de se connecter au système d'information des entreprises, par exemple pour faire de la réservation de salles, de la mise en contact avec vos rendez-vous, qui vous envoie un SMS quand votre visiteur est arrivé, et ainsi de suite. Donc on voit bien qu'il y a une évolution super rapide de la robotique. Mais ce n'est pas ça non plus qui m'intéresse, c'est pour ça que je ne vous montre pas les vidéos. Ce qui m'intéresse, c'est... quel est le lien entre la robotique et l'intelligence artificielle ? Bah en fait, l'un ne va pas sans l'autre. La robotique sans intelligence artificielle, c'est de la mécatronique. C'est chouette, c'est fabriquer des machines qui sont capables de s'animer, mais c'est des automates. Si vous voulez commencer à donner des usages à ces machines, à les rendre utiles dans la vraie vie, à leur permettre de vous rendre des services à vous en tant qu'humain, il faut mettre de l'intelligence artificielle dedans pour répondre aux problèmes que ces robots ont à tous les étages. Pour qu'un robot puisse être utile, il faut qu'il a tous ses défis. Il faut qu'il soit capable de percevoir son environnement. Salima l'a bien mentionné tout à l'heure. Hein, pour pouvoir interagir dans l'environnement, il faut qu'on en ait une perception, ne serait-ce que minimaliste. Il faut qu'il soit capable de communiquer.
Et ça, c'est un vrai challenge. Parce que communiquer au sens comprendre une phrase et donner une réponse, c'est facile. Parler « Ok Google, quel temps fait-il aujourd'hui ? Ok, c'est bon, c'est scripté, ça marche à peu près de nos jours. » Tenir une conversation avec une machine, mettre du contexte, dire « Tiens, j'irai bien au cinéma ce soir, quel film sort ? Ah, dans quel cinéma ? Ah, je suis à Lyon, et ainsi de suite. » Mettre tout ça en place et avoir une conversation sensée qui dure plus d'une minute, ça devient déjà un challenge. Comprendre le contexte, donc c'est lié à la communication, mais pas que. C'est lié aussi au type de service que l'on peut rendre. Si je dis « Tiens, j'irai bien au cinéma ce soir et qu'il est 23h30 », il faut que je comprenne le contexte de « Qu'est-ce que ça veut dire ce soir ? Est-ce qu'il y a encore des films ?» et ainsi de suite. Être multitâche. Alors pourquoi c'est un défi ? C'est parce que, très honnêtement, actuellement, les machines qu'on produit, on les produit pour remplir une tâche. Vous avez un robot aspirateur. Si vous avez un robot aspirateur, a priori, il ne fait pas les carreaux. Okay. Et pourtant, c'est ce qu'on aimerait dans les plateformes robotiques de l'avenir. Être capable de faire plusieurs choses, d'être adaptable, d'être plastique et qu'on puisse l'adapter aux usages qu'on a envie d'avoir. S'adapter, c'est s'adapter non seulement au sens multitâche, mais c'est s'adapter à l'utilisateur aussi. Peut-être que mon robot aspirateur ne va pas avoir le même comportement que votre robot aspirateur. Okay, vous avez peut-être envie qu'il s'adapte d'une manière ou d'une autre. Et enfin, et ça c'est mon graal, moi ce que je veux, c'est pas très intéressant de faire des automates aussi intelligents soient-ils, ce que je veux c'est faire des automates qui soient capables d'apprendre, soit parce que je les ai programmés, mais comme je suis une informaticienne de base très paresseuse, j'ai pas envie de les programmer, j'ai envie de leur montrer ce qu'ils doivent faire, de leur apprendre, de les éduquer au fur et à mesure que j'interagis avec eux. Et ça c'est un peu le graal que l'on court dans la R&D chez Humano. Et pas que chez Humano d'ailleurs. Alors justement, la R&D. Notre objectif, c'est d'utiliser l'intelligence artificielle. Alors notre objectif, c'est pas d'utiliser l'intelligence artificielle, mais en utilisant l'intelligence artificielle, d'améliorer les interactions homme-robot. C'est-à-dire que pour l'instant, les interactions que vous avez avec votre robot, c'est un peu du même niveau de complexité que les interactions que mes parents ont eues avec leur premier magnétoscope. Okay, ça fait rien, mais vous avez une télécommande avec 8000 boutons. Vous voyez le genre ? Et bien là, c'est un peu pareil. Les robots, actuellement, ça ne fait pas grand-chose. Et interagir avec eux, c'est compliqué. Parce que, imaginons que le rôle de votre robot, ce soit de vous donner la météo. Si vous lui dites quel temps il fait et qu'il a été programmé pour répondre, il va vous répondre. Si vous lui dites est-ce qu'il pleut aujourd'hui et que le développeur n'a pas pensé à ce cas-là, il ne vous répondra pas, bien qu'il soit programmé pour vous donner la météo. Okay ? Donc là, pour l'instant, les interactions homme-robot, c'est rugueux. Notre mission chez Humano, c'est de les rendre plus souples. Okay ? Et pour ça, on fait de la recherche. Alors, qu'est-ce qu'on utilise pour ça ? Deux choses. L'intelligence artificielle, trop facile. Mais surtout, et on le sous-estime, ce qu'on utilise essentiellement, c'est l'expertise de nos développeurs. Parce que ça fait 3 ans qu'ils mettent des robots dans la vraie vie, qui se sont pris des murs, je ne vous raconte pas, et qui savent ce qui marche et ce qui ne marche pas. Donc en fait, on tire l'inspiration de ce que font les développeurs au quotidien, et grâce à l'intelligence artificielle, on essaye d'améliorer un petit peu, enfin de faciliter leur quotidien en implémentant des solutions qui font qu'ils se prendront un peu moins de murs à l'avenir. Je vais vous donner des détails après. Alors, au niveau des outils de l'IA qu'on utilise, bah oui, on utilise du deep learning parce qu'on est comme tout le monde et qu'il faut bien assurer un peu de temps en temps. Mais en fait, on utilise plein d'autres choses. Je ne reciterai pas toutes les technos que Salima a mentionnées, mais dans un robot, il y a quoi ? Il y a de la perception. Pour ça, on utilise de la vision par ordinateur. C'est pas forcément que du deep learning. On en utilise quand on a des besoins spécifiques, mais sinon, il y a des solutions beaucoup plus simples qui sont issues d'années de recherche qu'on implémente. On a besoin de comprendre le parler. Donc là, on utilise du speech to text, de la voix au texte. Pareil, c'est de l'intelligence artificielle, c'est pas du deep learning pour autant, quoique derrière, il y en a un peu. On utilise du text-to-speech pour que le robot puisse parler. On utilise des systèmes à base de règles, parce qu'on scripte tout un tas de comportements, et que pour optimiser la façon dont on fonctionne, on utilise des systèmes à base de règles. Système à base de règles, système expert, on met tout ça dans le même panier. Alors chez Humano, on le fait pas, mais dans certains cas d'application, on peut utiliser des systèmes multi-agents, quand on a besoin de coordonner des flottes de robots, par exemple. On utilise de la physique pour tout ce qui est animation, mouvement des robots. Qu'est-ce qu'on utilise d'autre ? On utilise des chatbots
C'est très à la mode. J'ai parlé du deep learning, je ne vais pas parler des chatbots. C'est, ça aussi, c'est très à la mode actuellement. Donc en fait, nous, en tant que concepteurs de solutions logicielles pour Humano, on utilise énormément de briques sur les étagères qui sont déjà disponibles ou qu'on réimplémente selon nos besoins. Et puis, qu'on assemble pour faire des robots qui sont un peu moins stupides qu'au moment où vous les avez sortis du carton. Mais en plus de ça, on fait de la recherche et on essaye d'inventer les solutions dont on aura besoin pour demain. Et c'est là qu'on va faire le lien avec l'apprentissage développemental dont Salima vous a parlé tout à l'heure. Avant d'en parler, je vous donne juste un tout petit exemple de réalisation pour vous montrer à quel point interagir avec un robot, c'est compliqué. Qui parmi vous a déjà parlé à Pepper ? Personne ? Ouais ? Nao, ouais, pareil. Vous avez déjà essayé de partir alors qu'il était en train de vous dire un truc ? Si vous êtes devant un Nao, que vous commencez à interagir avec lui, qu'il est en train de dire une phrase, si vous partez, bah, il continue. Hein, parce qu'il est programmé pour dire une phrase, donc il fait son boulot, quoi, c'est un robot, c'est logique. Un des sujets sur lesquels on travaille, c'est d'essayer de capter l'attention de l'utilisateur et de faire en sorte que le robot soit capable de détecter quand il perd l'attention et d'arrêter de parler, quoi. C'est histoire de ne pas être trop casse-pied. Donc, je vous donne juste un petit exemple, et c'est juste pour vous montrer en fait ce qu'on fait en R&D. Alors c'est... Ouais. Hop, je vais le mettre en grand. Donc en fait ici on a un utilisateur qui va interagir avec le robot et en fait il doit passer un quiz, ok, donc il pose des questions, il interagit avec le robot, super, tout va bien. Et en fait on utilise, on a développé une solution dans notre service R&D pour mesurer l'engagement de l'utilisateur. Est-ce qu'il est en train d'interagir ou pas? Et vous allez voir, au bout d'un moment il va aller faire autre chose. Bon, évidemment, c'est un acteur, hein, mais... Et tout ça, c'est fait automatiquement. Donc là, ça se passe bien, il est content, le robot, tout va bien. Voilà. Alors, je vais avancer un peu parce que... Vous savez ce que c'est que la formule de l'eau, quand même. Voilà. Puis alors là, tout à coup, Rémi, là, notre acteur formidable, il a un coup de téléphone. Et regardez comment va réagir Pepper. Il essaye de récupérer son attention. OK. Et bien, ces petits détails-là, donc ça, c'est du prototype, hein. Je vous en montre pas plus, c'est pas la peine. C'est du prototype de recherche, mais ces petits détails-là, vous vous rendez compte, on est en 2018. Essayer de capter l'attention d'un utilisateur qui est en train de partir d'un robot, c'est encore des choses qu'on ne sait pas très bien faire, quoi. Pour vous donner une idée des limites théoriques, des limites pratiques qu'on rencontre en intelligence artificielle. Bon, on pourra en discuter. Ah, oh, alors là, je suis allée trop vite. Bon, alors du coup, on a plein de défis à relever en IA, on pourra en parler, mais nous, globalement, on travaille donc sur le problème de perception, c'est hyper compliqué. Ah, un autre truc, c'est que là, je suis en train d'interagir avec vous, ça se passe bien. Si je mets Pepper à côté de moi, il va interagir avec la dalle là, au plafond, parce qu'il reconnaît des visages dans les lumières au plafond. Vous voyez, donc on a encore pas mal de problèmes à résoudre si on veut faire des robots qui sont capables déjà de reconnaître ce que c'est qu'un humain. On a des problèmes de performance, de miniaturisation. Pourquoi c'est tout petit, mon machin, là ? Voilà. De performance, de miniaturisation, les questions éthiques, j'y reviendrai tout à l'heure parce que c'est ça qui m'intéresse le plus. Et puis, Salima l'a bien montré, hein, notre problème, c'est pas vraiment la compréhension du langage, les questions-réponses, tout ça, on peut trouver des briques sur étagère et puis espérer qu'elles vont s'améliorer dans les années à venir. Mais c'est vraiment comprendre le contexte de l'interaction, ce qui passe par l'intelligence émotionnelle. Okay. Là, si vous étiez tous en train de roupiller, je pense que je comprendrais qu'il faut que je change le ton de ma présentation. Okay. Un robot, si vous roupillez tous, il continue, pas de problème. Bon, on en discutera dans les questions si vous le souhaitez. Alors, je vous ai dit qu'on faisait de la R&D chez Humano. Alors R&D, il y a de la R&D à court terme. Il y a des nouvelles technos d'IA qui sortent tous les matins. Nous, on fait de la veille, on regarde ce qui peut nous aider, ce qui marche pas, ce qu'on peut intégrer dans nos robots. On améliore leur perception, on améliore leur capacité de navigation et ainsi de suite. Et puis... contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, il est aussi possible de faire de la recherche à plus long terme dans les entreprises, y compris dans les start-up. Et ce que j'aime bien chez Humano, c'est qu'ils ont eu le courage de dire, nous, on va essayer de s'engager sur de la recherche à long terme, bien qu'on soit une petite structure. Et donc, avec Salima, on a fondé un laboratoire commun. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un laboratoire commun? C'est une structure virtuelle, hors les murs, qui associe une entreprise, ici Humano, un laboratoire de recherche, donc le LIRIS, c'est plus spécifiquement l'équipe SMA. C'est financé par l'ANR, l'Agence nationale de la recherche. Et en gros, on a 3 ans
pour explorer les questions de recherche qu'on veut, avec à la fois la vision académique recherche sur le sujet qui nous intéresse, et puis en se disant, ok, et si on a raison, et si on fait des trucs qui fonctionnent, quelles vont être les valorisations possibles dans la vie de tous les jours. Et donc, avec Salima et Xavier Basset, donc le CEO d'Humano, on a monté ce laboratoire commun qui s'appelle Behaviors.ai, dans lequel on s'est dit, on va essayer d'explorer comment l'apprentissage développemental, donc Salima vous a expliqué rapidement ce que c'est, mais j'y reviendrai, comment cette techno d'IA, qui est pour l'instant relativement marginale et pas très à la mode, même si ça commence à sortir, pourrait nous aider à améliorer les interactions homme-robot. Défi, challenge. On ne sait pas si ça va marcher, mais on essaye. Parce qu'on a tous l'intuition qu'on a raison, évidemment, sinon on ne le ferait pas. On a surtout l'intuition que c'est la prochaine étape pour dépasser les limites théoriques des solutions d'IA qu'on a actuellement. Ça s'appelle Behaviors.ai, il y a un site web, vous pouvez aller voir si vous voulez. Moi, je vais m'intéresser juste quelques minutes pour vous donner l'eau à la bouche et que vous me posiez plein de questions après, à ce que c'est que l'IA développementale. Donc, je vais essayer de compléter un petit peu ce que tu as dit tout à l'heure. Donc, effectivement, c'est une branche de l'intelligence artificielle qui s'inspire de la psychologie développementale, en particulier des travaux de Jean Piaget sur ce qu'on appelle les Development Early Stage, donc entre 0 et 4 ans. Et bon, globalement, l'idée, c'est de se dire que on va apprendre, enfin, que les êtres vivants, d'ailleurs pas que les humains, les animaux aussi, apprennent en interagissant avec leur environnement. Donc ce qui est important, ce n'est pas le modèle, la représentation des connaissances, la transmission, la pédagogie, tout ça, on n'est même pas à ce niveau-là pour l'instant. On se dit juste qu'en interagissant avec l'environnement, je peux apprendre des choses sur cet environnement. Et typiquement, c'est ce que font les aveugles, de manière très naturelle et très instinctive. Ils développent d'autres formes d'interaction avec leur environnement, qui a priori a été conçu, en particulier les villes, pour des voyants. Ils développent d'autres formes d'interaction avec leur environnement pour être capables d'évoluer dans cet environnement. Et si, avec une intelligence artificielle, on pouvait faire la même chose. Si on pouvait doter l'IA de capacités d'interaction et d'apprentissage, non pas à partir d'un exemple, mais à partir de ce qu'elle peut retenir, à partir de ce qu'elle peut retenir de cette interaction. Voilà, c'est ce qui est résumé sur ce slide. Donc, c'est une approche bio-inspirée. Il y a une mise à jour de Windows disponible. Ah non, pardon, ça c'est autre chose. Il n'y a pas de modélisation a priori de l'environnement. Alors ça, je vais vous expliquer juste après pourquoi c'est hyper important. On apprend à partir des régularités d'interaction, c'est-à-dire qu'on va essayer un truc plusieurs fois, puis si ça se passe tout le temps pareil, on va en tirer une conclusion. Par exemple, si je tape sur la table et qu'à chaque fois ça fait du bruit, je vais en tirer une conclusion. Et on se base sur un mécanisme qui s'appelle la motivation intrinsèque, c'est-à-dire que non seulement je vais essayer plusieurs fois quelque chose, mais avant de l'essayer, je vais tenter de prédire ce qui va se passer. Et si ma prédiction est bonne, je vais être d'autant plus contente, parce que non seulement ce que je voulais s'est bien passé, mais en plus, j'ai bien prédit, donc c'est quand même, je suis intelligente, quoi. Et en combinant ces deux mécanismes, on peut développer des mécanismes d'apprentissage qui sont très différents de ce qu'on fait, par exemple, en deep learning. Alors pourquoi c'est super important qu'il n'y ait pas besoin de faire une modélisation a priori de l'environnement ? Qu'est-ce que c'est que modéliser l'environnement ? C'est écrire dans une représentation des connaissances utilisables par l'intelligence artificielle, tout ce qu'elle a besoin de savoir. Ici, il y a une chaise, ici, il y a un poteau, là, c'est jaune, là, c'est bleu, là, il y a deux prises de courant, là, il y a un interrupteur, et ainsi de suite. Est-ce que vous imaginez qu'on a raisonnablement le temps de modéliser le monde pour que les robots évoluent dedans ? Non. Donc, on a besoin qu'ils soient capables de le faire eux-mêmes. Et l'idée de l'apprentissage développemental, c'est de se dire, par les interactions, les robots ou les agents vont construire la représentation du monde qu'ils perçoivent, celle qui est utile pour eux. On n'aura pas à le faire à leur place, et en plus, ce sera efficace puisque c'est eux qui l'auront fait selon leur modèle. Ok ? Alors, je vais juste vous donner un exemple, parce que c'est l'exemple le plus simple et que c'est mon préféré, et que c'est celui qui permet d'expliquer pourquoi, enfin pas pourquoi, mais quels sont les usages qu'on peut imaginer si on y arrive. Dans cet exemple, on a un agent, donc un agent c'est un programme informatique, un robot, un machin. Ici c'est mon petit triangle orange qui est ici, qui est plongé dans un environnement. Ici l'environnement c'est un rectangle blanc. Et dans cet environnement je mets des poissons. Et ces poissons, l'agent peut les manger. Et cet agent il a que deux perceptions en fait. Il sait la couleur de la case sur laquelle il est, donc blanc ou bleu. Et vous allez voir, il a un système visuel rudimentaire, donc il voit ce qu'il y a à gauche et il voit ce qu'il y a à droite. Donc si par exemple il a un poisson sur sa droite, il va voir du blanc à gauche et puis il va voir du bleu à droite. S'il a un poisson en face de lui, il va voir du bleu devant ses deux yeux. Et c'est tout.
Et sa motivation intrinsèque, c'est a priori, il est beaucoup plus content quand il est sur du bleu que sur du blanc. C'est tout. Mais on n'en dit pas plus. Ses capacités d'action, avancer, tourner à gauche, tourner à droite. Rien de plus. Ok, c'est bon ? Basique. 25 lignes de code si on ne compte pas l'interface. Ok ? Dans cette vidéo, vous allez d'abord voir comment le poisson de gauche va apprendre à manger des poissons. On ne lui apprend pas, hein. Il apprend tout seul, il construit sa stratégie pour manger des poissons. Et après, vous verrez la jambe droite. Dernier point super important, les agents sont déterministes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'aléatoire dans le programme. Tout est prévu à l'avance, ils vont faire les mêmes actions dans le même ordre, au début en tout cas. Il n'y a pas d'aléatoire, c'est juré, je peux vous montrer le code, vous pourrez vérifier. Ça veut dire que si je réexécute 1000 fois la même expérience, il va se passer 1000 fois la même chose. Ok ? Et alors là, normalement, à la fin de la vidéo, faites « waouh », ça me fera plaisir. Ok ? Donc le premier poisson, au début, il fait n'importe quoi. Voilà. Enfin, le premier agent, et paf, il a réussi à manger un poisson. On en fait apparaître un autre à chaque fois. Et il a réussi à le manger, et ainsi de suite. Et si vous observez bien, il a développé une stratégie de chasse en escalier. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un nouveau poisson apparaît, il va aller le manger en faisant un petit escalier pour aller le manger. Paf ! La deuxième expérience va se lancer, c'est exactement la même. Je vous jure. Croyez-moi sur parole. Et vous voyez, la stratégie que développe le deuxième poisson, on l'a appelée la stratégie en U-turn, enfin le deuxième agent, c'est-à-dire qu'il fonce vers le poisson, dès qu'il l'a perdu de vue, il fait demi-tour et il revient le manger. C'est le même agent, c'est le même environnement, c'est la même expérience. Qu'est-ce qui change ? Le code. Non, c'est le même code. Ouais, alors ça, c'est le comportement qui change, mais pourquoi avec le même agent ? Voilà, c'est l'expérience. Et la seule différence, c'est la case de départ dans les deux expériences. Et en fait, comme ils expérimentent leur environnement et qu'il leur arrive une chose différente à un moment, eh ben ils construisent une expérience différente. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si on arrive à passer ça à l'échelle de l'émergence de comportement chez un agent, non seulement ça veut dire que chaque agent va pouvoir faire émerger sa propre personnalité en fonction des interactions qu'il aura eues avec son environnement, mais ça veut aussi dire qu'on va pouvoir leur apprendre des choses tout simplement en modifiant la façon dont ils vont interagir avec leur environnement. Et là, les possibilités que ça ouvre pour l'éducation des agents, et non pas la programmation des agents, elles sont infinies. Et c'est pour ça que nous, on parie sur l'apprentissage développemental. C'est parce qu'on voudrait, dans un monde idéal, c'est d'avoir des robots que l'on peut éduquer, qui soient capables de faire émerger une personnalité, qui soit une personnalité adaptée à l'environnement dans lequel ils se trouvent. Vous voulez un robot strict, vous l'éduquez de manière stricte. Vous voulez un robot fun, vous l'éduquez de manière fun. Ça, ce serait génial si ça fonctionnait. Et donc on pense que l'apprentissage développemental, c'est une voie pour aller dans cette direction. C'est pas la seule, hein. On ne pourra pas résoudre tous les problèmes de l'éducation des robots juste avec de l'apprentissage développemental. Mais si on combine cette stratégie avec plein d'autres stratégies, avec du deep learning pour la vision, avec des systèmes à base de règles pour certaines normes et certains codes, et avec d'autres choses, on peut imaginer faire des intelligences artificielles que l'on va pouvoir éduquer à l'avenir. Et ça, c'est le pari qu'on fait. Voilà, merci pour le waouh. Je sais pas qui l'a fait, mais alors je kiffe. Voilà. Alors, j'ai plein d'autres exemples que je vous montrerai, si vous le souhaitez, en off. Mais juste pour vous dire, donc, en fait, ces résultats-là, on les a obtenus au LIRIS, à l'époque où j'étais encore dans l'équipe de Salima, il y a quelques années. On les a fait en simulation. Et le pari du LabCom, c'est de se dire, OK, on a des agents dans des aquariums qui mangent des poissons. Super, ça marche en simulation, on a du code. Maintenant, est-ce qu'on peut transposer ça aux robots sociaux ? Donc le pari du LabCom, c'est de vérifier qu'on peut faire ça. Donc première période du laboratoire commun, on a pris un AO et on a mis le même algorithme dedans, on a mis d'autres situations. Donc là, la situation, c'était d'apprendre une séquence de mouvements qui plaît à un utilisateur. Et avec le même algorithme, on a prouvé que si c'est moi qui éduque le robot, eh ben, je lui apprends la séquence de mouvements que je veux. Et si quelqu'un d'autre éduque le robot, il peut lui apprendre une autre séquence de mouvements sans pour autant ni modifier la représentation de l'environnement, ni modifier les mouvements disponibles, ni ce genre de choses. Alors évidemment, on reste dans des expérimentations hyper cadrées, mais le temps passe et on essaye d'augmenter de fil en aiguille la complexité des expériences qu'on essaye de faire. Et évidemment, comme on est des chercheurs quand même, un petit peu, on développe aussi des outils qui nous permettent de visualiser ce que l'agent fait, comment il apprend, à quelle vitesse, et pourquoi ça marche, pourquoi ça marche pas. C'est tout ce que vous voyez sur la partie droite de l'interface qui explique un petit peu ce qu'on peut attendre. Bon, c'est bon, ça vous pose le cadre ?
Donc le message jusqu'ici, c'est croyez pas tout ce qu'on vous dit sur l'IA, en fait c'est beaucoup plus que la partie émergée de l'iceberg. Les robots sociaux sans IA, ça n'existe pas. Les robots, ils arrivent dans nos vies tous les jours, quoi qu'on en dise, mais pas aussi vite que Terminator. Et la question de la conférence, c'était en quoi ça change la relation au travail. Du coup, j'ai quand même fait une partie et en quoi ça change la relation au travail. Alors, grand scoop, à la question, est-ce que l'intelligence artificielle et les robots sociaux vont changer notre relation au travail? Oui. C'est bon? On s'arrête là ou vous voulez la suite? Ouais. Mais en fait, n'importe quoi change notre relation au travail. Toute transformation change notre relation au travail. Le jour où on a mis des bœufs pour tirer les machines à labourer dans les champs, ça a changé la relation de l'humain au travail. Le jour où l'électricité est arrivée, ça a changé la relation de l'humain au travail. Le jour où on a commencé à boursicoter, ça a changé la valeur du travail. Ça, c'est important, c'est un changement radical. Donc oui, l'IA, comme le reste, ça change la relation au travail. Sauf que, il faut bien l'avouer, ça change aussi la vitesse à laquelle ça va se passer. Là où, dans la révolution industrielle, on a 4 générations qui sont occupées d'amortir ce qui s'est passé, on se prend, donc 2012-2018, là, en 6 ans, on se prend une claque monumentale et 4 générations ne sont pas là pour absorber ce qui se passe. Donc oui, ça change la relation au travail. Mais moi, je considère que plutôt que de passer son temps, plutôt que de perdre son temps à se dire « Oh là là, les robots vont nous piquer nos jobs, les IA vont faire disparaître tout un tas de métiers », on ferait mieux de prendre un petit peu de temps pour réfléchir à ce que ça va créer. Se poser la question de tous les métiers qui n'existent pas actuellement. Se poser la question de toutes les droits et devoirs que ça nous impose, des questions éthiques que ça soulève et auxquelles il faudrait qu'on prenne un petit peu de temps, pour lesquelles il faudrait prendre un petit peu de temps et réfléchir. Et si on se met dans un état d'esprit où on se dit, et c'est très important, en fait, oublions l'idée que les robots vont nous remplacer et imaginons plutôt que les robots vont nous compléter, ou l'IA. Au robot, IA, même panier, c'est intelligence embodied, voilà. Là, il se pose une question vraiment intéressante. Salima l'a très bien dit tout à l'heure, en fait, les IA sont bien plus fortes que nous sur des sujets sur lesquels on n'a pas du tout envie d'être fort. Okay, multiplier des grands nombres entre eux, pas très intéressant. Chercher des micro-tumeurs sur des images radiologiques, très utile, mais très chiant. Okay ? Par contre, parler avec le patient pour lui expliquer quels sont les risques, machin, là, l'IA, elle n'est pas très douée, mais ça, c'est quelque chose de valorisant, de gratifiant, d'intéressant pour le praticien. Donc, si on commence à se dire, bon, oui, les IA arrivent, ça va changer notre relation au travail, mais qu'on se dit comment on va construire des relations efficaces où on va prendre le meilleur des deux mondes. Déléguer aux IA, aux robots, ce que l'on n'a pas envie de faire et qu'elles font de toute façon mieux que nous, et donc autant en profiter, et imaginer comment on va les utiliser au mieux. Là, tout de suite, on rentre dans un débat qui me semble un petit peu plus sain, un petit peu plus intéressant. Donc oui, pas de spoil, hein, l'IA va changer notre relation au travail, et j'espère, sincèrement, et c'est mon côté optimiste, que ça va changer notre relation au travail en bien. Sur les nouveaux métiers que ça va créer, c'est mon dernier slide et l'idée c'est de poser des questions. Sur les nouveaux métiers que ça va créer, pour moi il y a 2 grandes catégories de métiers. Il y a évidemment tous les métiers qui sont liés à la création de l'IA. Si vous saviez comme je galère pour recruter des bons développeurs qui soient capables de faire de l'intelligence artificielle. Ces métiers-là, c'est les métiers de demain. Les chercheurs, les data scientists, les développeurs qui sont capables d'avoir un petit peu de recul sur ce qu'ils font. Ça, c'est des nouveaux métiers qui sont en création et on va en avoir besoin de plus en plus. Comme on disait il y a 10 ans qu'il n'y avait pas assez de développeurs web, et bah aujourd'hui, on dit qu'il n'y a pas assez de gens qui sont capables de faire de l'IA. La deuxième catégorie qui, à mon avis, est beaucoup plus riche, c'est la catégorie des métiers qui vont être rendus possibles autour de l'IA. Comment on va post-traiter des informations, des recommandations qui sont fournies par un système d'IA? Comment on va labelliser les données? Comment on va constituer des comités d'éthique qui vont se poser des questions pour savoir si les recommandations fournies par les systèmes sont justes ou pas? Comment on va faire des systèmes qui permettent d'éviter les biais dans les modèles que l'on produit? Et alors, des listes comme ça, je peux vous en faire 13 à la douzaine. Donc réfléchissons plutôt au côté bénéfique des articulations humain, intelligence artificielle, plutôt que de perdre notre temps à se poser la question de savoir si les IA vont nous piquer nos boulots.
Voilà, et je crois que c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur le sujet. Donc je vous remercie. Tu as des questions ? Donc s'il y a quelques questions, première question, Béatrice. Alors déjà il marche pas. Non. Un grand merci. Un grand merci, professeur Salima Hamas. Un grand merci, Amélie Cordier. Est-ce qu'on peut avoir les coordonnées de l'association dont vous avez parlé, Amélie, s'il vous plaît ? Bien sûr, donc c'est lyonisei.fr. Il y a un site web, mais je vous les donnerai après. Voilà. Et on peut en discuter, pas de problème. Moi j'ai une question. Vraiment, je vous remercie toutes les deux. D'avoir abordé un problème dont personne ne parle, qui s'appelle l'éthique, qui en matière d'intelligence artificielle est basique, mais qui touche directement à l'influence et à la manipulation de masse dans lequel on se trouve, hein, puisque vous avez parlé des robots, donc de l'intelligence artificielle matérialisée, hein, mais il y a toute une forme d'intelligence artificielle qui est dématérialisée et qui est particulièrement dans mettre à sa place un certain nombre de robots. Il y a quelques années, j'ai travaillé avec une société qui s'appelait Robosoft sur un robot qui fait 3-4 tonnes à déplacer. Et c'est un sujet que vous n'abordez pas, mais qui me semble aussi important. C'est que vous n'abordez en rien les niveaux technologiques de perception. C'est-à-dire que tout l'IA dépend de la capacité des capteurs. Et qu'il y a une grande partie des capteurs qui sont liés à la limitation de capacité. Parce que dans des systèmes ouverts, cette capacité elle est vitale. Et les problèmes d'énergie, je ne sais pas quelle est. Quelles sont vos remarques sur cette. Alors, sur la capacité des capteurs, donc, ça progresse beaucoup. Et j'ai plein de choses à dire sur le sujet. La première, c'est donc les progrès sont significatifs à la fois en termes de qualité de l'information perçue et de consommation énergétique. Hein, c'est un vrai sujet, notamment parce que c'est drivé par le business et que si on veut vendre des objets connectés à bas coût, il faut des capteurs qui consomment peu, sinon ça ne fonctionne pas. Et en plus, quand bien même la qualité ne serait pas suffisante, elle est souvent palliée par le côté programmation et donc par les solutions logicielles qui viennent compléter les limites des capteurs. Le vrai sujet sur les capteurs à l'heure actuelle, c'est la panne. C'est pas vraiment la qualité intrinsèque où on trouve toujours une solution, mais prenons, alors j'ai horreur de parler des véhicules autonomes, mais je vais le faire quand même. Prenons l'exemple d'un véhicule autonome. Actuellement, quand il y a un accident, c'est pas parce que le capteur est de mauvaise qualité, c'est parce que il y a une panne et que la panne n'a pas été gérée. Souvent. Je vais pas en faire une généralité et voilà. Donc c'est vrai que c'est un sujet, mais j'aurais tendance à dire que c'est un sujet en progression constante et linéaire. Juste pour compléter par rapport à l'exemple que tu cites, c'est un problème quand il s'agit d'une seule voiture. Enfin, par exemple, moi j'adore parler des véhicules autonomes, mais pas autonomes, mais coopératifs, communicants. Ça peut être pas. Quand il y a plusieurs, par contre, c'est pour ça que je ne parle pas de véhicules autonomes, je parle de véhicules communicants. Quand il y a plusieurs véhicules, c'est quelque chose qui peut être justement rattrapé par la communication. C'est-à-dire que si vous mettez en interaction les différents véhicules, ils peuvent se communiquer l'information sur ce qu'ils ne perçoivent pas. Et nous, on a fait un travail, dans le cadre d'un thésard chez nous, on a fait un travail sur ça, justement sur la robustesse. Comment pallier à la panne ? Oui, robustesse et résilience par la communication. Voilà. Juste. Oui. Ça dépend. Ouais. Est-ce que ça ne va pas favoriser les surdiplômés, les choses pour lesquelles ils n'ont pas besoin d'une haute éducation, Tu veux ? Je peux. Vas-y. Oui, moi il y a deux aspects. C'est une très 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 bonne question, oui. Effectivement, sur la partie égalité, il y a l'aspect justement éthique qui devrait se pencher sur ces questions-là. Mais je pense, enfin, moi je suis optimiste, mais je reste quand même réaliste. Il y aura certainement
des métiers qui disparaîtront et il y aura certainement des gens qui, enfin les métiers moins qualifiés, forcément, ça, on n'y peut rien. Enfin, de mon point de vue. Bon, c'est une question, c'est effectivement une excellente question et c'est pas facile de répondre en 2 secondes. Oui, tu as raison. Pourquoi je suis optimiste ? Parce que si j'étais pessimiste, ce serait pas la peine de se lever demain matin. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai choisi d'être optimiste. Je dis pas que si j'étais pessimiste, je dirais qu'on a déjà filé toutes nos données à Google, que c'est trop tard, que on fait déjà n'importe quoi avec les données personnelles et que c'est irrattrapable et voilà. Mais en fait, j'ai réfléchi comme ça 2 secondes, je suis pas allé bosser le lendemain matin et je me suis rendu compte que c'était pas une solution. Pourquoi je suis optimiste ? C'est parce que je vois aussi les opportunités ouvertes par l'IA. Pour moi, alors j'essaie souvent de défendre l'intelligence artificielle en disant que on est en train de lui filer, enfin de lui mettre sur le dos tous les maux de la société, mais pour moi c'est ni plus ni moins qu'un amplificateur de problèmes qui existe déjà. Le numérique, au sens large, est déjà un acteur de la fracture sociale, et en même temps, quand on regarde, les bonnes initiatives qui permettent de réduire cette fracture sociale passent par le numérique. Exemple tout bête, l'accès à la formation par le code pour des enfants dans des milieux défavorisés, ça passe par le numérique. Voilà, et la question c'est qu'est-ce qu'on peut faire avec de l'intelligence artificielle qui pourrait globalement nous aider à être un peu plus fiers de notre société. On a des problèmes d'énergie. Je vous ai dit, on est en train de faire fondre de la banquise en faisant du deep learning. Oui, mais on est aussi en train d'économiser de l'énergie en utilisant du deep learning et en essayant d'optimiser nos consommations. Donc, pourquoi j'essaye de véhiculer un message optimiste ? Tout simplement parce que je me dis que si on voit le potentiel de l'intelligence artificielle et qu'on s'empare du sujet en tant que société et qu'on essaye d'inventer des solutions créatives et positives à des problèmes qui sont de toute façon déjà là, a priori, on peut essayer d'espérer construire un monde meilleur. Tandis que si on se contente de dire « Ah, l'intelligence artificielle, c'est mal et Google a déjà flingué la planète », on n'ira nulle part. Voilà la raison pour laquelle je suis optimiste. Merci. Oui, bonjour. On travaille un petit peu toujours dans le même sens. L'idée, c'est que vous êtes le fondateur pour l'intelligence artificielle, ici intelligent blanc, en quelque sorte. Mais il y a aussi le travail dans l'autre sens. Vous avez parlé dans un premier exemple, là aussi. Moi, je vois aujourd'hui, par exemple, avec des personnes qui sont atteintes de maladies neurodégénératives. Un soignant en repos aura une patience. Un soignant en main risque d'avoir beaucoup de mal à maintenir le même niveau. On va se lasser de la répétition, par exemple, des gens, des Alzheimer ou autres. Je me demande aussi dans quelle mesure le prix de robot et l'intelligence artificielle, on peut faire avec le cinéma devenir peut-être un peu meilleur. Bien sûr. On parle de patience, mais on parlait d'intelligence émotionnelle. Moi, je suis très frappé du principe du slogan de voir que finalement, l'humain aujourd'hui est beaucoup moins bon en intelligence émotionnelle que ne l'était avant. Essayer de faire que le robot rattrape l'intelligence émotionnelle il y a 20-25 ans, c'est une chose. Rattraper ça aujourd'hui, c'est aussi un peu plus facile. Merci. Et en travaillant justement sur cette forme d'intelligence pour la machine, ça va peut-être aussi permettre à certaines personnes de retravailler cette question de se la réapproprier. Vous avez parlé de ces robots qui continuent à parler à toutes les personnes de cette place pour elles. On est tous des coups sur le témoin régulièrement de nos discussions avec les personnes qui prennent un téléphone portable et qui font autre chose. Finalement, le robot aura aussi une forme de politesse que l'être humain n'a pas. Je suis tout à fait d'accord. Alors sur le, moi j'ai pas les chiffres hein, sur notre intelligence émotionnelle est-elle moins bonne aujourd'hui qu'il y a 25 ans. Par contre j'ai le coupable, c'est l'écran, enfin le téléphone portable globalement. Tout à l'heure en venant ici, il y a une dame qui m'a demandé où était l'école d'infirmière. Et je lui ai répondu, bah je suis désolée, je sais pas. Et après, j'ai réfléchi 2 secondes et je me suis dit, ah oui, si, je me souviens qu'il y a une école d'infirmière dans le coin, et voilà. Et elle m'a limite engueulée, excusez-moi du terme, parce qu'elle me dit, mais vous avez un téléphone, vous pourriez regarder sur Google. Et en fait, j'ai dit, ah oui, effectivement. Et moi, mon premier réflexe, c'était de vous parler, en fait, désolé, bon, bah ok, je vais regarder sur Google où est l'école d'infirmière et je vais donner sa réponse. Mais qui parmi vous,
pense à demander aux gens dans la rue son chemin avant d'aller regarder sur son téléphone, quoi. Ça change vraiment notre rapport au monde, ça change la façon dont on se repère dans l'espace, ça change la façon dont on gère notre agenda, notre emploi du temps, les gens qu'on a envie de voir, parce qu'en fait on n'a plus envie de les voir, c'est pas grave, on a leurs photos sur Twitter et sur Instagram, il n'y a plus besoin de les inviter à aller boire une bière. Bref, je suis pas sûre que ce soit la faute de l'intelligence artificielle, je pense que c'est la faute de la connectivité et des écrans. Ça, c'est le premier sujet. Après, les exemples que vous donnez sur l'IA peut améliorer l'homme, on en a des tonnes aussi, des exemples comme ça, typiquement sur tout ce qui est locomotion. Si vous allez voir les médecins, podologues, je cherche le terme, kinés, ont appris énormément grâce à la recherche en robotique sur les problématiques de posture, par exemple. Et dans plein de domaines comme ça, les recherches, mais pas qu'en IA, hein, les recherches en physique, en maths, sur plein de sujets, permettent de faire évoluer la connaissance et le retour qu'on a sur nous-mêmes. Le problème, c'est de commercialiser ce genre de projet. Ça, c'est un autre sujet. Des robots pour l'autisme, par exemple, il y en a beaucoup. Des boîtes qui font de l'argent avec des robots pour l'autisme, on en cherche encore. C'est plus des projets de recherche. Et dernier point sur on cherche à reproduire l'intelligence humaine, je profite que vous l'ayez mentionné pour rebondir un peu là-dessus. Déjà, si on arrivait à reproduire l'intelligence d'un rat, je serais super contente. Mais enfin, je veux dire, toute l'intelligence, c'est-à-dire que on sait battre le meilleur joueur du monde au Go, et il y a des tâches hyper simples que nous on sait faire, comme empiler trois objets un petit peu compliqués, qu'une IA va pas encore savoir résoudre parce que le modèle physique est trop compliqué. Tu voulais compléter ? Non. Okay. Je suis tout à fait d'accord. Une dernière question peut-être. J'étais très intéressé par le deuxième part, enfin, C'est une excellente question aussi. Alors, il y a plein de couches, encore une fois, pour répondre à cette question. C'est-à-dire que si on prend par exemple juste le petit exemple du requin qui mange les autres poissons que je vous donne là, effectivement, on voit que les deux poissons font émerger des stratégies différentes et les maintiennent parce qu'il n'y a pas de mécanisme d'oubli qui est implémenté. Okay, sinon, on pourrait imaginer qu'au bout d'un moment, l'un apprenne la stratégie de l'autre et l'autre de là. Globalement, la problématique de l'oubli, c'est une vraie problématique, mais avant même de pouvoir la traiter, il y a la problématique de combiner plusieurs stratégies d'apprentissage. Donc au sein de chacune des approches d'intelligence artificielle, que ce soit l'apprentissage développemental, que ce soit l'utilisation de réseaux de neurones, que ce soit l'utilisation de réseaux de neurones profonds, que ce soit des systèmes à base de règles, d'une manière ou d'une autre, on peut aller jusqu'à implémenter des mécanismes d'oubli. Typiquement, donc, en réseau de neurones, c'est à force de voir certains exemples, certaines pondérations vont augmenter, puis d'autres vont s'évaporer, entre guillemets, et ça implémente une forme d'oubli. Mais à chaque fois, c'est au sein du mécanisme, on implémente le mécanisme d'oubli pour ce mécanisme-là. L'IA est en silo, en fait, chacun fait sa recherche sur sa thématique d'IA dans son coin, et il y a très peu d'architectures dans lesquelles on va combiner plusieurs mécanismes d'apprentissage, et par définition, encore moins d'architectures dans lesquelles on s'intéresse à l'oubli quand on a combiné plusieurs mécanismes d'apprentissage. Mais c'est un vrai sujet. Hein. Et il y a des recherches, il y a des recherches absolument passionnantes en neuro sur le rôle du sommeil dans l'organisation des connaissances, et notamment sur le fait qu'on fait deux choses pendant qu'on dort, on généralise et on oublie.
Et la généralisation et l'oubli permettent de structurer des connaissances qui sont réactionnables dès le lendemain. Et ces mécanismes-là, actuellement, il y a très très peu de recherches en IA qui s'y intéressent parce qu'on n'est même pas encore là dans la formalisation des connaissances dans des réseaux de neurones, par exemple. Oui. Juste pour compléter, compléter parce que ça m'a évoqué quelque chose, la réponse d'Amélie. Dans ma dernière slide, j'avais parlé de IA intégrative, enfin intégrale. En fait, intégrer, c'est ce que tu dis, enfin, c'est intégrer différents modèles. Si je prends nous en tant qu'être humain, il y a l'évolution par exemple qui peut jouer un rôle. Il y a le fait que ce qu'on oublie, c'est quelque chose dont on ne se sert pas, qui n'est pas utile, qui disparaît. Ça peut être un mécanisme qui permet d'oublier. Et puis le deuxième point, c'est l'aspect de la décision. Vous avez dit, j'apprends parce que j'ai décidé d'apprendre, mais on apprend tout le temps aussi. Des fois, là, en vous parlant, j'apprends plein de choses. Je n'ai pas décidé d'apprendre quelque chose et pourtant, je suis en train d'apprendre. Donc, y a la partie consciente, entre guillemets, mais il y a la partie inconsciente. Donc, on est complètement... Voilà, c'était juste ma remarque. Merci beaucoup. Merci. Merci vraiment pour la qualité là, de vos présentations.